Eh bien bonjour tout le monde, c'est Kokami68 et on se retrouve donc pour un nouveau gameplay, de nouveau en élimination confirmée. Donc avant de vous parler de ce gameplay, je vais préciser que je vais envoyer cette vidéo à Code QG étant donné mon score final et aussi du gameplay en lui-même, parce que je trouve que j'ai fait un très bon gameplay. Enfin pour moi en tout cas c'est un très bon gameplay, mais après il faut voir vis-à-vis de Code QG. Donc on va revenir au gameplay. Donc comme vous pouvez le voir, je jouais avec la MP5 silencieux, avec détermination pro, tour de passe-passe pro et tireur d'élite. Donc tireur d'élite, moi j'utilise surtout pour voir les noms des ennemis plus loin quand je vise surtout. Après j'utilise beaucoup plus sur la scarée. Donc vous avez, comme vous pouvez voir, au début j'avais énormément de mal à utiliser la MP5 parce que c'est rare que je l'utilise. Et je me suis rendu compte aussi que je faisais beaucoup d'erreurs dans tous les Call of Duty que j'ai joué. C'est que quand je suis rouge, c'est que je veux toujours continuer. Mais c'est une erreur que je faisais énormément de fois. Donc, sinon, qu'est-ce que je peux en dire de la MP5 hein? Très bonne arme, surtout avec le silencieux. Hein? Juste que les munitions se vident beaucoup. Et voilà quoi. Donc là, par contre, le mec nous a expliqué peut-être pourquoi il est pas mort, à moins que l'autre a visé complètement à côté. Mais bon, j'ai quand même touché trois fois avant qu'il se remette sur le côté. Ensuite, je le retouche deux fois. Lui, je sais pas, mon collègue, je ne sais pas s'il l'a touché. À moins que c'est moi qui ai visé à côté, hein, je ne sais pas, hein, c'était possible. Donc là, vous avez pu voir, j'avais voulu changer de classe parce que je me suis dit, ouais, la MP5, en fait, elle vaut pas grand-chose. Je me remets à la Scarelle. Je me suis dit, on va quand même rester en fait un peu plus loin. Je veux dire, je vais quand même rester à la MP5, vous allez comprendre tout ça. Donc là je reçois mon drone Predator dans un colis stratégique. Moi je dis juste, c'est dommage, ils auraient pu remettre les munitions dans le colis stratégique parce que je me trouve des fois un peu en manque de munitions. Donc là j'ai pas voulu tenter de faire le deuxième non plus. Donc là je vais en profiter pour tuer celui qui venait par derrière. Hein. Donc il me reste un frag avant mon deuxième colis stratégique. Là l'ennemi je l'ai pas tout de suite eu. Lui j'ai de la chance qu'il m'a pas vu parce que sinon j'aurais été descendu comme un lapin. Là je me fais tirer dessus. Je me suis dit bon, on va monter en haut, on va l'attendre. J'ai quand même réussi à lui la mettre à l'envers. Le mec qui en fait il a voulu attendre pour essayer de me choper. Donc je vais attendre un petit peu. Je vais nouveau un peu. Je vais nouveau un peu à retourner. Tourner en fait là pendant un petit moment, vous allez voir, je vais pas faire beaucoup de frags. Là l'ennemi je le vois pas, je vais pas m'y tenter, je suis dans une bonne série pour le moment. Il me reste un frag dans mon Predator. Pour moi ça va être quand même une bonne série, surtout avec une arme que j'utilise très peu. Je devais l'avoir au niveau niveau 5, pile poil, je l'avais pile poil au niveau 5 quand je l'utilisais. Donc en fait j'essaie surtout de me fier beaucoup au drone. Hein, donc c'est surtout pour ça que je faisais gaffe. Donc là ici j'étais en visée prolongée, je ne sais pas pourquoi j'ai pas tiré. Donc là je fais mon missile Predator. Que je vais tenter de faire quand même. Tenter, oui c'est là où je tente de faire une petite doublette que je loupe, j'en fais qu'un seul. Bon c'est pas très grave, ça me fait qu'un frag avant. Il me manque qu'un frag avant mon colis stratégique. Mon hélico d'attaque. Donc je vois qu'il y a des vestes balistiques, mais je vais même pas essayer d'aller les chercher. C'est pas trop pour moi. Donc là je tue celui qui venait tuer mon pote. Donc médaille vengeur plus élimination fin, plus mon hélico d'attaque. Pour moi c'est ce qu'il y avait. C'est franchement très. C'était du bonheur. Donc là j'ai un colis stratégique qui m'attend toujours. Je l'ai toujours pas demandé. Je vois que. C'est à ce moment là où j'avais nouveau décidé quand même de continuer à la MP5. Là je vais demander mon colis stratégique hein. Me demander juste pas pourquoi, mais vous allez voir, je vais viser la caisse, mais je ne sais pas pourquoi. Je devais l'aimer en fait. Je devais l'aimer. Je sais pas pourquoi je vise la caisse hein. J'ai pas un parc là sur la MP5 hein. Mais je dois l'aimer a priori. Donc là je demande mon drone. Et c'est vrai que ça va beaucoup m'aider ça va beaucoup m'aider vis-à-vis déjà rien que du bombardier pour éviter de faire quelques frags quoi. Bon là on me l'a volé, c'est pas grave, je perds quand même la plaque, ça fait toujours 50. Donc là je vais juste faire demi-tour voyant que j'avais presque plus de munitions dans la MP5 hein, mais malheureusement il n'avait pas d'arme. Là je vois une tourelle et je vais pas m'y risquer. C'est dans ma tête, c'est David, tu peux de nouveau tenter de refaire une série, tente de faire un bon gameplay. À la base en fait je voulais tenter de faire la Moab mais bon j'ai pas eu cette chance encore de pouvoir la faire. Par contre là justement grâce au drone j'ai pu voir qu'il y avait un ennemi par ici. Donc, je l'ai pas tout de suite remarqué mais en fait il était juste dans le coin, a priori lui aussi a dû me voir. Et j'ai quand même eu le temps de le tuer avant qu'il puisse me voir et là je ramasse son arme qui est une belle UMP 45. C'est vrai que
Il y en a beaucoup qui jouent avec, mais moi j'ai quelle chance d'avoir une MP45. Et à côté, donc je ramasse quand même ma une M14 à 1, pas beaucoup de balles, pas beaucoup utilisé, même jamais utilisé, dans cette partie en tout cas. Hein. Donc là je refais un colis stratégique. Je vois qu'il y a des ennemis qui vont sûrement venir par là, je pense du moins. J'en tue un, en pleine tête bien sûr. Hein. C'est vrai qu'avec l'MP5, l'UMP45 fait beaucoup de pleine tête, je tue le deuxième. Et là je vais faire une énorme erreur, c'est déjà de tenter de faire bon déjà d'utiliser Predator pour tenter de faire un frag que je vais d'ailleurs complètement louper. Et c'est surtout là que je fais l'erreur. Au lieu d'attendre le mec, je vois qu'il fonce vers moi d'attendre. Maintenant j'ai voulu essayer de le prendre à revers pensant qu'il allait attendre, quelque chose comme ça. Et là je demande une colis stratégique, mon troisième si je me trompe pas de la partie. Donc c'est vrai que là je sais pas pourquoi je suis resté debout. Le mieux aurait été de me coucher ou de m'accroupir, et là vous allez voir, c'est ce que j'attrape dedans, c'est phénoménal. C'est un beau mitrailleur de spray. Donc bah, le mitrailleur de spray est bien. Moi c'est déjà, oh putain la chance, c'est le cinquième que je reçois depuis que j'ai en colis stratégique, hein, depuis que j'ai commencé les Call of Duty, enfin ce Call of Duty en tout cas. Et c'est vrai que je vais pouvoir faire quelques fragments avec, hein, c'est sympathique. Tous mes colis bah, ils tombent. Hein. Mais les gens ils vont être bien contents, il y a un mitrage du coup, donc Predator et un IMS dedans. Je vois qu'il y a un mec qui me tire dessus, je m'en souviens du coup plus tard, je pense que c'était surtout pour dire coucou, je suis là, tue-moi pour glisser à nouveau de détruire au lance-roquettes. Donc là je partage un collier, je tourne autour, je fais mon petit 360 degrés avec la caméra. Je vois au fond qu'il y en a un, là je vois le deuxième qui sort, là j'en vois un, vous allez voir, lui je vais essayer de le tirer. Alors par contre ne me demandez pas pourquoi il est sorti, je me pose encore la question. Je crois que c'est dans peu de temps qu'on va me le détruire, hein, d'ailleurs le petit colis stratégique, le petit coffret pardon, on va me le détruire. Là on vient de me le détruire, bon je vais faire quand même quelques frags, et là je vois qu'on a 60-59, et je vais attendre gentiment, enfin non je vais même pas attendre, hein, je vais pas attendre parce que bon moi c'est pas mon genre de camper alors qu'on est à 60-59. Là par contre je vise complètement à droite du mec, donc ce qui aura permis de faire une égalité, donc c'est pas avec ma plaque, donc ça fait 60-60. Je vais attendre un petit peu, c'est vrai que je vais pas non plus faire le fou à détruire tout le ratio, tout le bon ratio que j'ai fait dans cette partie. Hein. Je tourne autour de la même zone, c'est ce qui va d'ailleurs. Pour là, pour moi, j'étais à du 36-5. Normalement, j'étais à 36-5. Et là, je suis donc. J'en tue encore un avant que la partie. Pas attendez d'ailleurs, elle se fait. Hein. J'en tue encore un donc. Cette fois-ci, c'est vrai que j'ai pas fait l'erreur, vous voyez, je ne fais plus cette erreur maintenant, comme je l'ai dit au début, de bouger ben, quand je suis rouge, bien blessé. Quoi. Donc, en tout cas, moi j'espère que cette partie sera acceptée par le code QG vis-à-vis de la partie, vis-à-vis déjà du gameplay, vis-à-vis peut-être du score aussi, enfin, du moins, je pense même, ce serait bien, j'espère en tout cas qu'il l'accepte. Donc, voilà, et donc, comme vous pouvez voir, je finis avec sur une partie avec du 37-5 pour moi qui était une très bonne partie, et bah moi écoutez, je vous dis à bientôt et ciao tout le monde.